Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un coffret scellé. Il est ici, je vous laisse découvrir lequel. Il est tout en haut de la pile. On va parler du magnifique coffret OO. Donc c'est un coffret qui date, sorti en 2016. On va s'installer tranquillement sur le bureau et on va en parler en détail de ce coffret. Bon ben voilà, on est parti pour parler de ce magnifique coffret OO. Alors moi j'adore les formats de cartes comme ça, plutôt format de cartes, on va dire, traditionnelles et non pas des foulards, des cartes hyper travaillées. Moi j'aime bien, c'est nostalgique, c'est un peu plus rétro et c'est vrai qu'on voyait ça assez souvent à cette époque. On est en 2016. Essayez un petit peu d'ailleurs de deviner quelle était la boutique qui avait l'exclusivité sur ce coffret. On avait comme d'habitude des exclusivités à l'époque. Évidemment, je vous donnerai la réponse puis vous allez le voir hein, parce que c'est au dos. On a l'information au dos de ce coffret. Je vais vous donner un petit peu le contenu de son coffret, Je vais voir un petit, je vais vous donner mon impression, ce que j'en pense, mon avis personnel, savoir si c'est un coffret intéressant, pas intéressant, et on fera le détail de son contenu. Donc il faut savoir qu'il est sorti en 2016 et exclusivité de chez Auchan. Ici, je me rappelle très bien, on pouvait l'acquérir pour la somme de 20 €. C'était un très bon prix. Alors pourquoi 20 €? Parce que tout simplement, il y a eu ce changement de phase où on a perdu un booster dans les coffrets. Malheureusement, il n'y a que 4 boosters dans ces coffrets-là. Habituellement, on avait droit à 5 boosters sur les coffrets plutôt traditionnels. Donc on a perdu un booster et du coup, le prix était aux alentours d'une 20aine d'euros. On avait ce magnifique OO Pokémon légendaire, très sympa, avec une carte donc promo grand format et une carte traditionnelle avec un format que moi j'aime bien, plus rétro. Je trouve ça plutôt sympa, type holographique, hein, tout simplement. On est sur la promo XY 153, donc voilà, XY était là depuis bien longtemps, parce que 153, on est vers la fin, évidemment. Alors, il y a 4 boosters, beaucoup de séries différentes. On retrouve ici 2 boosters de la série XY Offensive Vapeur. Alors c'est vrai que ce sont des séries. Moi j'aime bien XY Offensive Vapeur. Bon, de mémoire, alors il me semble que il y avait du Steelix, mais je suis pas certain à 100%, faut que je vérifie. Mais il y avait aussi Volcanion avec cette magnifique carte Gold secrète. Moi, que je trouve incroyable et que j'avais eu la chance d'avoir d'ailleurs à 2 reprises. Et franchement, c'était top. D'ailleurs, ce sont des cartes qui sont pas très chères. Du coup, ce sont des séries qui sont pas hyper recherchées, qui sont très accessibles encore maintenant. On a un booster ici, XY Rupture Turbo. Et enfin, on a ici un booster Impact des Destins. Je vous mettrai en illustration un petit peu de gauche et droite les cartes un peu sympas de chacune de ces 3 séries. Ce sont des boosters qui sont pas très chers, même si maintenant ils commencent à dater. Hein, donc ça fait, on est aux alentours de 6-7 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même de vieux boosters. Et on est aux alentours d'une dizaine, une quinzaine d'euros pour des boosters à l'unité. Donc ça fait pas énorme. Donc le prix de ces 4 booster, on peut l'estimer aux alentours de 40-50 €. Voilà, grosso modo, on a 40-50 € de booster. Maintenant, on va s'attaquer à la carte promotionnelle. Alors, la carte promotionnelle, elle n'est pas si simple à trouver. En plus, en très bon état. Donc, voilà, on ne peut pas savoir si elle est en bon état. Hein. C'est un peu le problème. On sait que dans les coffrets, surtout avec leur système d'attache, la carte promo, petit format, la jumbo est plus préservé, mais disons que la carte promo petit format, on peut avoir de mauvaises surprises au dos, hein. ça c'est évident, et même devant ici, donc on ne peut pas s'assurer que la carte soit vraiment parfaitement neuve, même si le coffret, lui, il l'est. La carte promo comme ceci, elle est plus recherchée que la jumbo. La jumbo, pour une dizaine d'euros, on la trouve assez facilement. C'est une très belle jumbo, hein, d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup, hein, je vous l'ai dit, hein, ce format de carte, j'adore. La carte, celle-ci, en très bon état, je pense qu'elle peut, être assez difficile à trouver et en excellent état, parfait, on va dire. 20-30 €, c'est fort possible. Avec un état un petit peu abîmé, une dizaine d'euros, c'est possible aussi à trouver. Donc, on était aux alentours de 40-50 € pour les boosters, 10 € pour la carte promo jumbo, on peut dire, allez, 20 € pour la carte, pour être un petit peu large, pour la carte promo format standard, donc ça fait 30 €, on va dire, 40 €, 40-50 €, 30 €,
Ça nous fait à peu près 70 à 80 euros pour ce coffret-là. Donc ça, ce sont uniquement les items à l'intérieur. Maintenant, si vous voulez le trouver en scellé, les items séparément, c'est pas trop difficile à trouver. Le coffret en scellé comme ça, franchement, je trouve que c'est assez difficile à trouver. C'est un coffret qui est plutôt rare. Il y en avait un peu plus il y a quelques années. On en voit beaucoup, beaucoup moins. Et on le trouve plutôt aux alentours de 200-300 euros. Je trouve que c'est un prix qui est assez cher au vu de ce qu'il y a à l'intérieur et des séries qui sont proposées. Ce ne sont pas des séries de folie. Et de mémoire, 200 à 300 euros, on est plutôt sur des coffrets type Absol, Rayquaza, où on avait des boosters à l'intérieur plus intéressants, comme du Étincelle, du Point Furieux ou du Origine Antique. Voilà, des boosters qui avaient plus d'intérêt et que les collectionneurs préféraient. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des cartes de folie hein, dans Origine Antique. Donc, c'est vrai que pour un coffret scellé, je trouve que 200-300 euros, ça reste assez cher par rapport au contenu qu'il propose. Et je le verrais, moi, personnellement, plus aux alentours de 100 à 200 euros plutôt que 200-300 euros. Évidemment, ce n'est que mon avis sur ce coffret-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation de ce coffret, en tous les cas, on a dit de rareté, je pense qu'il est assez haut à trouver en scellé, et beaucoup plus compliqué d'ailleurs que trouver le coffret OO, Légende Brillante. Voilà, parce que lui, il est sorti vraiment beaucoup, et puis il y en a beaucoup qui l'ont gardé dans leur collection. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de ce coffret, si vous le trouvez plutôt sympa. Moi, je le trouve magnifique. La carte, elle est dingue. Je la trouve vraiment très, très, très belle. J'aime beaucoup l'illustration. OO n'est pas toujours mis super bien en valeur, mais là, je le trouve excellent. Allez, on se dit à très, très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, demain, je devrais recevoir quelques items sympas. On verra. Allez, ciao, ciao.